Je vais maintenant vous parler de référentiel en rotation pure. Vous vous rappelez, hein, on avait vu dans le cours d'avant, on avait vu une formule générale qui nous reliait l'accélération dans R' à l'accélération dans R avec tout un tas de trucs compliqués, on pleurait tellement c'était compliqué. Je vous ai dit, on va apprendre les termes un par un. J'ai commencé ici par vous parler des référentiels en translation et je vais maintenant parler des référentiels en rotation. Et ça s'appelle probablement petit 2. Oui, allez, petit 2, je décrète. Le petit 1, ça devait être translation pure. J'ai fait ça? Ok. Rotation pure. Alors, plus précisément, référentiel en rotation pure. Et comme dans le cours précédent, ce que je vais appeler rotation pure, c'est je pars d'un référentiel R que je vais supposer galiléen qui a une origine O, des axes x, y, z. Et on va considérer qu'on étudie ce mouvement dans un référentiel R' dont l'origine O' est la même que O et qui a des axes x', y' et qui a le même axe z', que son axe z, c'est le même que celui dans R. Et si je représente ça du dessus, la manière dont je vais représenter ça, j'ai x comme ça, y comme ça, et puis z vers moi. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'autre référentiel, il a ses axes qui peuvent être tournés, x', y', et ça tourne autour de l'axe z. Je vais noter z', mais c'est le même que z. Le centre ici étant en O', c'est-à-dire le même qu'ici. J'aurais dû représenter ces deux dessins sur le même schéma. Mais, enfin, je vous entends jurer là, mais c'est simple, hein. Enfin, on a un référentiel, voilà, c'est celui de la pièce qui est ici. Quelqu'un, vous le mettez sur un plateau et il tourne légèrement, à vitesse constante, ça je vais le redire, mais voilà, il tourne sur le plateau. Et lui, il a ses axes qui sont dessinés sur le plateau, et il repère tout par rapport à ses axes sur le plateau. Ça paraît débile de le faire avec un plateau, mais bon, par exemple, la Terre sur laquelle on est maintenant, c'est exactement la situation dans laquelle on est. On est sur un truc en train de tourner. Et je vais appeler oméga. Ici, le vecteur rotation de R' par rapport à R, comme je l'ai fait précédemment. Et ça, je vais le noter oméga fois UZ. Donc le vecteur rotation ici, il est dirigé pour moi, pour ce que je vais vous montrer ici, dans la direction de Z, qui est aussi la direction de Z'. Et du coup, règle du dauphin, ça tourne pour moi dans cette direction-là. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je mets mon pouce vers oméga, et mes doigts de la main droite m'indiquent dans quelle direction tourne le référentiel. Et je vais faire une hypothèse en plus aussi, je vais considérer que ça, c'est un vecteur qui est constant. Le vecteur oméga est constant, c'est-à-dire la vitesse de rotation ne change pas au cours du temps. On va prendre cette simplification-là, on a un référentiel qui tourne autour d'un autre à vitesse angulaire constante. Le Y, il est censé être droit ou enfin, Il est censé être, c'est censé être un repère orthonormé. Donc oui, si celui-là est horizontal, celui-là est censé être vertical. Ça vous gêne ça? Ok, ouais, bah merci de le dire, du coup je précise. Pardon. Je pense pas avoir considéré des référentiels qui ne soient pas orthonormés depuis le début. Hein. Je ne le ferai pas. Donc, enfin, je me suis dit demander, hein, c'est pas pour t'envoyer bouler, mais si vous avez un doute, les référentiels, à moins que. Enfin, s'ils ne le sont pas, je le préciserai parce que ça sera inhabituel. Vous avez d'autres questions sur la situation elle-même? Hein? Bon, ben, ce qu'on va faire maintenant, ça va ressembler d'assez près à ce qu'on a déjà fait avant. Je laisse peut-être le dessin, mais je vais... ça pour l'instant, je m'en fiche un petit peu. Du point de vue du référentiel R', la personne qui fait de la physique dans ce référentiel tournant, elle va écrire que MA' est égal à quelque chose. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la partie précédente du cours. C'est-à-dire que ici, je vais écrire la relation entre MA' et MA. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de remplir ici. Vous allez voir dans votre cours et vous allez remplir ce qui va ici. Il y a tout un tas de termes. Ça doit être la dernière chose qu'on a écrite dans le cours d'avant, celui sur les changements de référentiel. Faites attention, on avait dû écrire MA est égal à MA' plus quelque chose. Donc il y a une petite subtilité, il faut inverser les deux. Mais allez voir dans votre cours où vous avez ça et recopiez-le ici. Avant que j'efface, hein, notez bien que le O', c'est le même que O. Hein. Je l'ai mis à côté, c'était pour ne pas surcharger le dessin, mais ils ont la même origine, hein, les deux référentiels. Hein.
Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qui me dicte? Quelqu'un là sous les yeux? J'identifie quelqu'un à qui je parle. Quelqu'un veut me dicter? Toi, tu peux? Non? Alors, c'est inquiétant si vous pouvez pas. Donc, j'attends un peu. Trouvez vraiment où c'est. Enfin, sauf si vous n'avez pas le cours sous les yeux, mais si vous avez votre cours, identifiez l'endroit où j'ai marqué ça. Il y avait quelque chose avec des oméga vectoriels, oméga vectoriel au primaire. C'est la formule de fou, là. Vas-y, tu me la dictes. Mais attention, en inversant les signes, parce que j'ai passé celui-là de ce côté-là. Il y a des M, oui, il y a des M devant chaque terme, oui, effectivement. Ça, là, j'ai réécrit bêtement l'accélération, mais j'ai tout multiplié par M dans la formule qui est ici, donc il y a des M partout. Merci. Bien vu. Et le O', on va l'enlever parce que c'est la même chose que OM. C'est ça que quelqu'un disait? J'ai entendu O'. Donc ça, on l'avait, c'est la formule générale qu'on avait obtenue. Je me suis placé ici volontairement dans une situation où certains termes vont simplifier. Quels termes se simplifient? Est-ce que ça simplifie ou pas dans la situation qu'on a maintenant? Oui, O', c'est la même chose que O, donc il ne bouge pas par rapport à O, donc son accélération est nulle. Ça, est-ce que ça simplifie a priori? A priori, non, pas de raison particulière, voilà, j'en dirai un mot après. Ça, oui, puisque oméga est constant. Et ça, a priori, non. Alors, je vais aussi me placer, du coup, dans une situation un peu particulière. Ce terme-là, là, donc, il n'y a pas de raison de l'enlever, mais ça s'appelle la force de Coriolis, ça. On y reviendra dans un prochain cours. Je vais aujourd'hui m'intéresser à de la statique. Dans le référentiel R', je vais m'intéresser à des objets qui n'ont pas de vitesse. C'est une situation courante. Par exemple, dans la Terre, ici, en train de tourner sur elle-même, je fais de la statique, je pose un objet sur le sol et je veux savoir quelles sont les forces qui agissent dessus. Donc, des objets qui n'ont pas de vitesse. Donc, ici... Ça, je vais le simplifier. Je vais dire que c'est égal à zéro. Je le barre différemment parce que c'est pas une donnée que j'avais donnée au départ, c'est quelque chose que je rajoute. Donc l'ensemble des hypothèses, c'est maintenant qu'on a deux référentiels qui ont la même origine. Il y en a un qui tourne de l'autre à vitesse constante. Ils ont l'axe Z qui est commun. Et en plus, on étudie des objets qui n'ont pas de vitesse dans le référentiel R'. Donc il reste finalement MA' est égal à MA. Je vous rappelle que ça, c'est ce qu'écrit le bonhomme qui fait de la mécanique dans R'. Donc lui, il écrit que MA' est égal à, ça vaut la somme des forces, hein, puisque dans le référentiel R qui est galiléen, MA, c'est la somme des forces. Et il reste que le terme qui est là-bas, moins M, oméga, vectoriel oméga, vectoriel OM. Je remplace ici le O' par O, puisque ce sont les mêmes points, donc ça ne sert à rien de compliquer inutilement. C'est ce terme-là qu'on appelle force centrifuge, et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, ça paraît un peu monstrueux, là. Oméga vectoriel OM. Mais on va voir qu'en fait, dans la situation que j'ai décrite ici, ce terme-là, il est une expression assez simple, en fait. Vous allez le montrer, je vais me placer dans un premier temps. Je vais considérer un déplacement, enfin, je vais me placer dans le plan qui contient O. Je vais considérer un point, donc j'ai dit un point qui était fixe dans R'. Attention, question à deux balles. Un point qui est fixe dans R'. Quelle est sa trajectoire dans R? Oui. Alors sa trajectoire, rotation c'est son mouvement, sa trajectoire, c'est un cercle effectivement, sa trajectoire est circulaire si vous voulez. Donc le point que je suis en train de considérer ici, dans R, décrit ce cercle-là. Dans R', je vais faire le dessin à côté, et ben il a des coordonnées qui sont fixes. Voilà, par exemple, c'est un point qui est là. Le point est en train de tourner, lui est en train de tourner aussi, et ce point-là se trouve toujours à la même position sur l'axe X', par exemple. Voilà. Calculer sur le dessin qui est ici,
enfin calculer, indiquez-moi sur le dessin la direction de ce vecteur-là. Vous avez 1 minute et 7 secondes. O est ici, M est là. Oméga, vous allez le tracer. Vous allez tracer le vecteur oméga sur votre schéma. Calculez ensuite, une fois que vous avez fait ça, donnez-moi la direction sur le schéma de ce vecteur-là. Alors, selon OM, d'accord, et dirigé dans quel sens? Donc, toi, tu me dis sur cet axe-là? Et dirigé par là-bas ou par là-bas? Alors, en fait, ça va être la méthode qui m'intéresse plus que le résultat, mais comment tu as trouvé ça, par exemple? Très bien, faisons ça ensemble. Alors, oméga, il est comment? D'abord, il est vers nous, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vecteur rotation est comme ça. Donc, oméga, il est vers nous. Je représente comme ça avec la petite flèche qui pointe vers nous. Vous savez pourquoi on représente les flèches comme ça quand elles viennent vers nous? C'est la pointe, hein. On voit la pointe de la flèche. Okay. Donc, oméga, il est comme ça. OM, il est dans cette direction-là. Donc, oméga vectoriel OM, il est suivant mon majeur, il est donc comme ça. Le vecteur en couleur qui est ici, c'est lui. Et maintenant, moi, je veux oméga vectoriel ça. Ben, c'est parti. Oméga vectoriel, lui, eh ben, ça fait un vecteur qui est orthogonal aux deux. Donc, ça fait le vecteur blanc qui est ici. Ce que je trace ici, c'est tout ça. Oméga vectoriel OM. Moi, ce que je veux, c'est moins M fois ça. Donc, moins ce vecteur-là, c'est un vecteur qui pointe vers l'extérieur. Je vais l'appeler FC. Tout ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Elle est effectivement centrifuge dans le sens où elle s'éloigne de haut. Elle a tendance à écarter les points de l'origine, du centre de rotation. C'est pour ça qu'on l'appelle centrifuge. Je vais mettre un tout petit bémol à ça après, mais voilà, le terme centrifuge vient de là. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec le raisonnement là? Ça, c'est vraiment le genre de truc que je peux vous demander en contrôle, hein. Première question, voilà, calculer oméga vectoriel OM, hein. Je considère ça comme élémentaire. Maintenant, on va s'intéresser à la norme de ça. Que vaut la norme oméga vectoriel OM? C'est quoi la norme de ce vecteur-là? Si j'appelle oméga la norme de vecteur oméga, et si j'appelle grand R, par exemple, la norme de OM, si je dis que le rayon du cercle ici, c'est R, que vaut la norme de oméga vectoriel OM? Oméga fois OM fois le sinus de l'angle entre les deux. C'est quoi le sinus de l'angle entre les deux? C'est quoi l'angle entre les deux d'abord? C'est quoi l'angle entre oméga et OM? Pi sur 2, c'est quoi le sinus de pi sur 2? 1. Donc effectivement, la norme de ça, ça vaut simplement le produit de normes, c'est-à-dire c'est oméga fois R. Que vaut la norme de oméga vectoriel tout ça? Ben, ça, c'est un vecteur qui est dirigé dans cette direction-là. Vectoriel oméga qui est comme ça, on a encore deux vecteurs orthogonaux. La norme du produit vectoriel de deux vecteurs orthogonaux, c'est le produit des normes. Donc la norme de tout ça, c'est simplement donné par oméga fois tout ça, c'est-à-dire c'est R oméga 2. Et du coup, la norme de la force centrifuge, c'est R oméga 2. Je vais l'écrire comme ça. Le point un petit peu subtil, enfin subtil, il faut faire attention, c'est le suivant. Là, j'ai considéré un point M qui était fixe dans le référentiel R'. Je vais en considérer un autre maintenant. Je vais considérer un point, alors ça, je vais l'effacer, je garde juste ça. Je vais prendre un autre point qui n'est pas ici, mais qui est là, par exemple, qui est un peu plus loin. Ça, c'était le point M. Je vais prendre maintenant un point N qui est plus loin. Vu dans le référentiel R, qu'est-ce qu'il décrit, lui, comme trajectoire? Ben, il décrit aussi un cercle, mais de rayon plus grand. Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Donc, la force centrifuge ressentie par lui, elle vaut maintenant FC est égal à M, s'il a la même masse, fois R' oméga 2. Mais avec un R qui est différent ici. C'est le rayon entre O et N, la distance entre O et N ici. La force centrifuge ressentie par lui est plus grande que celle ressentie par lui. La force centrifuge augmente avec la distance à laquelle on se trouve de l'axe de rotation. Donc en ce sens, c'est très différent de ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les référentiels en translation circulaire. On avait une formule qui ressemblait à ça, mais R ici, c'était le rayon du cercle que décrit le centre du référentiel. Et tous les points
vu depuis le référentiel R, dans le cas d'une translation circulaire, décrivait un cercle de même rayon. C'était un petit exercice que je vous avais fait faire l'autre fois. Là. Je faisais moi un arc de cercle ici sur l'estrade, et je vous avais demandé de me dire comment est-ce que moi je vous voyais. Ben, je vous voyais tous faire le même arc de cercle. Maintenant, si je fais la même expérience que l'autre fois, mais en rotation, imaginez que moi je sois ici, comme ça, je vous regarde, puis d'un coup, je me mets à tourner ici. Je suis sur un tabouret qui tourne lentement. Et je vous pose la question, comment est-ce que je vous vois, vous, bouger chacun? Ce que je vois, c'est ceux qui sont prêts à faire des petits arcs de cercle, ceux qui sont loin, faire des énormes arcs de cercle, les plus rapides. D'accord ? Plus les corps sont loin, plus ils ont des arcs de cercle qui sont grands et des vitesses qui sont rapides. En fait, ce qui est constant, c'est la vitesse angulaire. C'est précisément la vitesse angulaire à laquelle je suis en train de tourner. Si je fais un tour par seconde, enfin, je vais avoir mal à la tête, mais si je fais un tour par seconde, je vous vois tous faire un tour par seconde autour de moi. Ceux qui sont prêts, ils font ce tour-là sur une petite distance. Ceux qui sont loin, ils ont besoin de faire une grande distance pour le faire. Donc cette force centrifuge, elle a vraiment cette caractéristique-là, hein, elle dépend du rayon auquel on se, la distance à laquelle on se trouve du centre de rotation, ou de l'axe de rotation. Par ailleurs, vous voyez aussi que sa direction, elle n'est pas la même pour tout le monde, c'est-à-dire que pour un point qui serait ici, ou qui serait là, ou qui serait là, on peut faire le même raisonnement ici, et le produit vectoriel OM, il est toujours dirigé vers l'extérieur, contrairement au cas de la translation circulaire. Là. Vous vous rappelez, dans le cas de la translation circulaire, la force d'inertie était toujours dirigée, quand on prenait le référentiel R' à un instant T, elle était dirigée partout dans la même direction. Là, ce n'est pas le cas. Ce vecteur-là, vous pouvez refaire la construction n'importe où, il va effectivement être radial. Donc la force centrifuge, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui vraiment écarte tout le monde du centre. Ok, alors, juste une remarque quand même. Là, j'ai considéré un point qui était dans le plan qui contient le point O, en fait. Je vais juste généraliser un tout petit peu, parce que ça, je vais en avoir besoin dans l'exemple que je vais prendre après. Considérons maintenant un axe de rotation. Donc, c'est l'axe Z dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est l'axe Z. Alors, pour ceux qui ont des questions, c'est rectiligne et c'est vertical. X, Y et Z, voilà, et c'est en train de tourner autour de cet axe-là. Et je vais considérer un point qui est fixe dans R', mais un point cette fois-ci qui n'est plus dans le plan OXY, comme je viens de le faire là, dans le dessin d'avant, mais qui est ailleurs, qui est là, par exemple. Quelle trajectoire décrit ce point s'il est fixe dans R', le référentiel qui est en train de tourner autour de Z? Un cercle. Et alors, il est comment, ce cercle? Oui. Donc, il est, en gros, il serait. Tu me dis qu'il est quelque chose comme ça, centré là. Ok. J'allais dire, c'est le tableau, ça peut être moche, mais là, c'est quand même vraiment, vraiment moche. Là, c'est censé être mieux. Ne dites rien. Bref, c'est un cercle comme ça, du coup, qui est centré ici. Oui, c'est le cas, effectivement. Voilà la trajectoire que décrit un point M qui est fixe dans R', le référentiel en train de tourner autour de l'axe Z. Je peux tracer d'ailleurs ici X' et Y' comme ça si vous voulez. Je ne sais pas si ça rend tellement clair, mais voilà, c'est en train de tourner autour de l'axe Z. Du coup, faisons le produit vectoriel qui est ici. Oméga vectoriel OM, pour commencer. C'est parti. Oméga vectoriel OM. C'est un vecteur, donc oméga il est suivant Z, OM il est comme ça. Donc c'est un vecteur qui est dirigé vers l'arrière du tableau. Et on voit le derrière du vecteur. Je toque. Et du coup, quand je fais oméga vectoriel ça, oméga vectoriel ce vecteur-là, ça me donne un vecteur qui, lui, est dirigé vers ce point-là. Et donc, si je fais moins m fois ça, parce que c'est ça la force centrifuge, eh ben, c'est un vecteur qui, effectivement, est dirigé par là-bas. Donc la force centrifuge, elle expulse bien le corps, elle a tendance à expulser le corps en l'éloignant du centre de rotation qui est ici. Mais attention, elle n'est pas dirigée suivant haut, hein. Enfin, elle ne pointe pas vers haut. Elle ne fuit pas haut non plus. Elle est centrifuge dans le sens où elle fuit le centre de rotation. Moi, je préfère un autre mot que personne n'utilise, ou presque, c'est axifuge. Non, mais c'est ça, elle est axifuge. Elle fuit l'axe de rotation, c'est ça qui se passe. Elle ne fuit pas le centre. Quand on dit centrifuge, vous allez voir dans la situation que je vais présenter tout de suite après, je vais poser une question et vous allez avoir tendance à me répondre de façon fausse en entendant le mot centrifuge. Ce ne serait pas le cas, je pense, si vous pensez au mot axifuge. Je ne vous invite pas à utiliser le mot axifuge spécialement, mais pensez-y
Quand vous dites centrifuge, pensez axifuge. Le gars qui aime bien compliquer les choses. Eh bien, ok, on va considérer une situation justement de ce type-là. Exemple. L'exemple que je vais considérer, c'est le suivant. La Terre, c'est nous, en train de tourner autour de son axe, ici. Donc là, pour le coup, je vais vraiment dessiner un pingouin, parce qu'il y a quand même le pôle Nord, là. Et nous, on est là. On ne voit pas le pingouin. Ça, c'est l'équateur. Bref, ça, c'est le pôle Nord. Nous, on est là. Ça, c'est l'équateur. La Terre est en train de tourner sur elle-même. Dans quel sens ? Alors, j'ai mis oméga comme ça, c'était un peu au pif. Je vais l'enlever. Dans quel sens tourne la Terre sur elle-même ? Mettez une flèche au-dessus de votre dessin avec quelque chose qui est comme ça, genre ça tourne dans cette direction-là, ou dans l'autre sens. Le sens 1, je vais vous poser la question. Le sens 1, ça va être, ça tourne dans ce sens-là, ça va par là-bas. Sens 2, ça va être dans l'autre sens. Qui n'a aucune idée ? Vous avez le droit, hein, mais c'est juste pour une idée. D'accord, pas mal de gens. Qui a une idée et pense que c'est que ça va dans cette direction-là ? Qui a une idée contraire ? D'accord. Est-ce que quelqu'un veut justifier son idée ? Vas-y. La Chine est le pays du soleil levant. Oui. Et du coup, c'est juste 20. Non, c'est en positif sur les créneaux. Ça vous convainc ? Ça peut être un moyen de s'en rappeler, moi j'ai pas compris. Mais après, enfin, c'est un moyen. Non, mais ça peut être un moyen mnémotechnique qui te permet. T'avais dit dans quel sens toi ? Dans celui-là ? D'accord, non, perdu. Donc c'est un mauvais moyen mnémotechnique. Non, mais vas-y, vas-y. Ouais, le soleil se lève à l'est. Ça veut dire quoi, se lève à l'est ? En fait, c'est pas le soleil qui se lève, hein, c'est la Terre qui va à sa rencontre. Hein, vous savez ça. Non, mais je me moque pas, non, je me moque pas. Vas-y, redis. Ça veut, le fait qu'il se lève à l'est, ça veut dire que si le soleil est ici, nous, on est d'abord là, et puis on va vers lui. La Terre tourne, et tout d'un coup, paf, le soleil se met à apparaître sur le côté est. Si ça tournait dans l'autre sens, on le verrait apparaître à l'ouest. Hein ? Vous voyez tous le truc, hein ? Il y a le soleil qui est là-bas, ça c'est la Terre avec le bonhomme qui est ici. Là, il fait nuit pour le bonhomme, il est de l'autre côté. Toc, 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 il voit le soleil apparaître de ce côté-là, donc pour lui. Donc ici, c'est l'est, effectivement. Le soleil se lève à l'est, donc effectivement, la Terre tourne dans ce sens-là. Et donc, le vecteur oméga, il est bien dans la direction que j'ai indiquée tout à l'heure. Ce n'était pas vraiment au hasard, en fait, mais voilà. C'est là où ça devient rigolo. Enfin, ça ne va pas vous faire rire, mais... Maintenant, pour le bonhomme qui est ici, donc vous êtes d'accord qu'il est sur un référentiel en train de tourner, il fait un tour en 24 heures... Je ne tiens pas compte du fait qu'il est en train de tourner autour du Soleil, ça ne m'intéresse pas ici. Imaginons une Terre voilà, qui est isolée dans l'espace, quoi, et elle est en train de tourner sur elle-même. Dessinez sur le schéma la force centrifuge à laquelle est soumis le bonhomme. Alors je vous ai dit tout à l'heure, attention, vous allez vous tromper. Donc du coup, j'espère que vous allez faire attention et ne pas vous tromper. Ah ben non, mais ne le mettez pas sur l'équateur, c'est de la triche. On n'est pas à l'équateur là. Parce que sur l'équateur, la difficulté, enfin la petite subtilité n'apparaît pas. Parce qu'il y a une petite subtilité. Mais elle est minuscule, hein, je vous ai mis en garde trois fois contre. Donc normalement. Pensez pas centrifuge, pensez axifuge. Donc effectivement, la force est axifuge. Elle est dirigée dans cette direction-là. Le bonhomme qui est ici, il est en train de décrire un cercle autour du temps. Le cercle qu'il est en train de décrire, c'est un cercle qui est comme ça. Hein. Ce que je trace ici, ce n'est pas l'équateur, c'est le cercle décrit par le bonhomme au fil de la rotation de la Terre sur elle-même. Exercice de niveau 2. Vous allez tous réfléchir 30 secondes et pointer du doigt la direction de cette force-là pour vous dans cette pièce. Là, il y a une force centrifuge. On est sur la Terre en train de tourner, vous êtes d'accord ? Donc on est en train d'expulser légèrement dans une certaine direction. Je veux que vous me pointiez du doigt la direction dans laquelle vous êtes en train d'être expulsé, la direction de ce vecteur-là, en fait. Alors, vous pointez tous vers le haut comme ça. Donc pour vous, là, le bonhomme, s'il met le doigt vers le haut, il pointe par là. C'est pas là, c'est pas ça qu'il fait. Alors maintenant, vous... D'accord, mais dans quelle direction ? Alors, c'est pas une direction...
pour lui, là, le bonhomme qui est là, qu'est-ce qu'il appelle, il appelle ça comment, la direction qui est ici, là? Le sud. Il appelle ça le sud. Là, il a, le vecteur, pour lui, c'est vers le sud. Donc, c'est où, le sud, dans cette pièce? Par là-bas, d'accord? Donc, il pointe le bras dans la direction du sud, vers le haut. Quel est l'angle avec lequel il pointe le doigt? C'est quoi l'angle qui est ici? Quel angle fait ce vecteur-là par rapport à la verticale pour nous? Ouais, alors entre l'équateur et... C'est pas un angle, je veux une valeur en degrés. 45 degrés. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'on est entre le 90 et le 0. Ouais, alors effectivement, c'est une grandeur que vous connaissez, ça s'appelle la latitude. Si je continue ça vers le centre de la Terre ici, et que ça, je l'appelle... C'est l'angle que je vous demande, c'est celui qui est là. Hein. Ça s'appelle la latitude, l'angle qui est ici. Et nous, on est à peu près, effectivement, à 45 degrés de latitude, à peu près. Donc, le gars qui est ici pointe son doigt vers le sud à une direction qui fait 45 degrés par rapport à la verticale. C'est-à-dire, vous, là, vous, en ce moment, vous êtes en train d'être, du coup, tous légèrement repoussés hein, vers, dans cette direction-là. Ça, c'est une conséquence importante. Ce qu'on appelle le poids. On vous dit parfois, le poids, c'est la force gravitationnelle de la Terre. Non, c'est pas que ça. En toute rigueur, ce qu'on appelle le poids, c'est la chose suivante. Vous êtes dans cette pièce-là, vous prenez un objet, par exemple une masse de 1 kg, tac, vous la mettez au bout d'un ressort, et puis vous posez la question, tiens, une fois que je laisse cette masse exercer la force qu'il faut, je laisse le système se mettre à l'équilibre, d'une part, dans quelle direction est-ce que pointe cette masse, et d'autre part, quel est l'allongement du ressort? Ça va me donner ça, la force qui est subie par, par la masse. C'est ça qu'on appelle le poids. Ça, il y a plusieurs contributions. Il y a cette force-là, et puis il y a effectivement la force d'attraction de la Terre, qui elle existe. Hein. Je vais mettre ça ici comme ça, FG pour F gravitationnel. Mais c'est la somme de ces deux choses-là qu'on appelle le poids. Et du coup, vous voyez un truc rigolo, enfin rigolo ou inhabituel, ou que vous ne savez peut-être pas, c'est que la somme de ces deux vecteurs-là ne pointe pas vers le centre de la Terre. Alors en toute rigueur, donc, le vecteur-là, je les ai mis de normes comparables pour que vous les voyez de loin. Celui-là est quand même plus petit que celui-là, largement. Ce que ça donne comme diagramme, ça donne pour lui une force qui pointe par là-bas, qui est la force gravitationnelle, une petite force qui pointe par là-bas, qui est la force centrifuge, et du coup, voilà, le vecteur total, il est comme ça. Il pointe un peu à côté du centre de la Terre. Donc, votre poids ne pointe pas vers le centre de la Terre à cause de la force centrifuge. Il n'y a que deux endroits où effectivement, le poids pointe vers le centre de la Terre, c'est au pôle Nord, parce que la force centrifuge est nulle, et sur l'équateur. Là, la force centrifuge n'est pas nulle, mais elle est effectivement dirigée aussi suivant le centre de, enfin, vers le centre de la Terre. Et du coup, ça veut dire aussi que la norme de votre poids, même si la force gravitationnelle de la Terre est la même ici ou là, votre poids n'est pas le même. Votre poids, il est plus faible ou plus fort ici qu'au pôle? J'entends plus fort et j'entends plus faible. Il est plus fort au pôle et plus faible ici, oui. Et même là où le poids est le plus faible, du coup, c'est à l'équateur. Là, la force centrifuge est maximale. Je vous rappelle que la force centrifuge, sa norme est donnée par mR oméga 2. Oméga, c'est la vitesse de rotation de la Terre, donc ça, c'est la même pour tout le monde. Attention, le R qui est ici, c'est quoi? C'est le rayon du cercle que vous êtes en train de décrire. Le cercle que vous êtes en train de décrire, le bonhomme qui est ici, son rayon, ce n'est pas le rayon de la Terre. C'est le rayon qui est ici. Ce que j'appelle R, c'est ça. Hein. C'est la distance qui vous sépare de l'axe. C'est une force axifuge. R, ici, c'est la distance qui vous sépare de l'axe de rotation. Quelle est la relation entre ce R qui est ici et le rayon de la Terre? Non, non, pas... C'est de la trigo de collège. Donc, oui, vas-y. Alors, sécosinus, cosinus, ce n'est pas une distance. RT fois, tu me dis cosinus θ. Alors, θ, il est ici. Oui, c'est ça. Donc c'est le cosinus de la latitude. Donc du coup, dans la force centrifuge qui est ici, FC, c'est M fois RT cos θ oméga 2. Et donc vous voyez qu'elle est importante quand θ vaut 0, donc à l'équateur. Elle est nulle quand θ vaut pi sur 2, c'est-à-dire au pôle. Et entre les deux, ça prend les valeurs intermédiaires. En particulier, elle est plus forte à l'équateur. Votre poids à l'équateur est plus faible qu'au pôle pour cette raison-là, entre autres. Il y a plusieurs situations dans lesquelles ces forces centrifuges jouent un rôle important. Pour ceux qui aiment les films de science-fiction, vous avez parfois, dans les films, on vous montre un vaisseau spatial, et puis vous avez une grande structure qui est comme ça, avec un bonhomme qui est en train de marcher ici.
Vous avez déjà vu ça? On l'a dans 2001, mais ça, vous êtes trop jeune et vous trouvez ça nul. Vous avez ça dans Mission to Mars? Dans Sol sur Terre? Oui, Sol sur Mars, oui. Il y en a aussi un petit, dans Interstellar aussi, quand ils font tourner le... Ben, bref, dans plein de situations, vous avez des structures qui sont mises en rotation pour faire de la gravité, entre guillemets. Comment ça marche, ce truc? Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez un centre de rotation ici. Imaginons que tout ça, ça soit en apesanteur. Par exemple, ça, c'est une station spatiale orbitale qui est en orbite autour de la Terre. Je néglige les effets de marée. Donc, si la structure ne tourne pas, tout le monde est en apesanteur. Et puis, on se met à faire tourner ça dans une direction donnée. Je vais le faire tourner dans cette direction-là pour avoir oméga qui va vers moi. Et quand on fait ça, bah, quelqu'un qui est dans le référentiel de la structure, quelqu'un qui est accroché à la structure, il ressent effectivement une force centrifuge. Cette force centrifuge, elle est dirigée par là. Pour quelqu'un qui est ici, cette même force centrifuge est dirigée par là. Voilà. Et sa norme, elle vaut F centrifuge est égal à M R fois oméga 2. Application. Dans 2001... Vous avez à un moment une roue dont le diamètre, dont le rayon fait quelque chose comme 15 mètres. Non, ça doit être 12 mètres. Non, je ne sais plus de tête, mais peu importe, on va prendre 12 mètres. Voilà. R égale à 12 mètres. Et vous avez un oméga qui est de 1 tour par minute. Ça, vous regardez le film avec un chrono, ça se voit très bien. Voilà, 1 tour par minute. Calculez cette force-là et comparez au poids du bonhomme. Quel poids apparent ça donne au bonhomme? Le poids du bonhomme, je vais peut-être préciser, le poids que le bonhomme aurait sur Terre, c'est ça qui m'intéresse. Ça, ça va coller les bonhommes aussi à la surface du cylindre. On aimerait que ça les colle avec, comme s'ils avaient leur poids sur Terre. Leur poids sur Terre, c'est mg. Hein. M, c'est leur masse, et g, c'est le 9,81. Donc la question que je vous pose, c'est comparer ça à 9,81, du coup. 9,81 mètres seconde moins 2. Faites-le, hein, juste un calcul à faire. Un tour par minute, il faut mettre ça en quelle unité? Radian par seconde. Un tour par minute, ça fait 2 pi radian par minute, donc ça fait 2 pi sur 60 radian par seconde. C'est ça qu'on veut mettre au carré et multiplier par 12. Bon, ça se fait tête, hein, 2 pi, c'est quasiment 6. En gros, hein. À peu de choses près, donc ça fait ça sur 60, ça fait un dixième, ça fait un centième, vous allez trouver 0,12. Le terme qui est ici vaut 0,12 mètres seconde moins 2. Sur Terre, ça vaut 9,81 mètres seconde moins 2. Donc si on croit le scénario, enfin la manière dont est filmé 2001, l'Odyssée de l'espace, cette scène où on voit la structure qui tourne à cette vitesse-là avec cette taille-là, ne permettrait pas à un bonhomme de marcher comme sur la Terre. Le bonhomme, il marcherait comme s'il était avec une gravité qui est vraiment beaucoup plus faible ici. Non, bah, j'avais en tête un truc plus, un peu moins différent de ça, mais ok. Bon. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder une série, je vais appeler ça une série, mais voilà, pendant quelques années, j'ai rassemblé des extraits de films de science-fiction où on peut parler de physique dessus. Ça s'appelle Weightless. C'est en 6 épisodes de 45 minutes. Ça se trouve facilement sur le net. Et voilà, il y a que vraiment beaucoup d'extraits de science-fiction. Il y a un épisode de ça, de 45 minutes, qui est consacré à ce que je viens de vous dire ici. Allez voir dans les films, tiens, voilà, il y a une structure qui est en train de tourner, à quelle vitesse elle tourne, à quelle distance, est-ce que c'est réaliste Alors, c'est moins chiant que ça en a l'air quand je le dis, là. Les gens trouvent ça plutôt rigolo quand ils vont voir. Et c'est Weightless avec un L. Dernier exemple, je vais vous parler de points de Lagrange. Et la question que je vais me poser ici, elle est assez similaire à une que j'ai déjà abordée plus tôt. Imaginez que ici j'ai le Soleil. Ici, j'ai la Terre. Je vais étudier ce système-là. Plutôt, je vais faire de la physique pour quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à ce qui se passe autour de la Terre et qui se met dans un référentiel différent de celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais utilisé le référentiel centré sur la Terre avec des axes qui, dont la direction ne change pas. Je vais maintenant me placer dans la situation suivante. Je vais prendre comme système d'axes dans R'. Alors, je vais mettre la Terre à un autre endroit, sinon on ne va rien comprendre. Je vais la mettre là.
je vais mettre x' qui pointe vers la Terre, y' comme ça. Ça, c'est la Terre. Et sachant que x et y, ce sont les axes de départ dans cette direction-là, x et y. Donc c'est un référentiel qui est centré sur le Soleil et qui est en train de tourner pour suivre la Terre dans son mouvement. Vous voyez bien le référentiel, là ? Et je vais m'intéresser à quelqu'un qui fait de la physique à cet endroit-là, ici autour de la Terre, dans ce référentiel tournant. Dans ce référentiel-là, dans le référentiel R', quelqu'un qui fait, par exemple, quelqu'un qui étudie la trajectoire d'un satellite autour de la Terre, ou peu importe. On va s'intéresser... Attends, il faut quand même que je fasse les choses correctement. Je vous ai dit qu'on allait s'intéresser à des objets qui sont fixes dans le référentiel R', hein, parce qu'on avait négligé un terme, le terme de Coriolis. Là. Donc je vais me rester dans cette hypothèse-là. Imaginons un corps qui est ici, là, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà, à proximité de la Terre, on verra combien tout à l'heure. Et on va imaginer que dans le référentiel R', ce point ici est fixe. Et on va s'intéresser à quelqu'un qui fait le bilan des forces, qui agisse sur ce point-là, vu depuis le référentiel R'. Cette personne va écrire la chose suivante. MA' est égal à... Bah déjà, elle va écrire 0, parce que c'est quelque chose qui est fixe dans ce référentiel-là, c'est de la statique. Donc, on va écrire que l'accélération dans R' est nulle. Et va écrire que ça, c'est la somme des forces, plus un terme centrifuge, qui est oméga, moins oméga, vectoriel OM. Ce que je vais écrire de manière un tout petit peu différente, je vais introduire un vecteur U qui est dirigé par là-bas, qui du coup, lui, est centrifuge ici, pour pouvoir écrire que 0 est égal à. Et je vais considérer les forces qui agissent effectivement sur ce corps, de la même manière que tout à l'heure. J'en ai combien des forces ? J'en ai 3 encore. Ça va vraiment ressembler beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a la force due à l'attraction du Soleil, moins G, masse du Soleil, M sur... grand R plus petit r au carré fois U, où j'ai les mêmes notations que tout à l'heure. Grand R, c'est la distance Terre-Soleil, et petit r, c'est la distance entre le point et le centre de la Terre. Moins l'attraction de la Terre, GMT fois M sur R carré fois U, plus le terme centrifuge, je ne refais pas le calcul qui est ici, mais on a vu il y a 5 minutes, que ça valait plus R fois oméga 2, avec un M devant, fois U. Donc là, ce que j'ai écrit, attention, le petit r plus grand R qui est ici, c'est la distance qui sépare le point que j'étudie du centre du référentiel dans lequel je considère. O' ou O ici, c'est le centre de référentiel R', et la grandeur qui intervient ici dans la force centrifuge, c'est la distance entre le corps qu'on étudie et l'axe. Donc ici, c'est grand R plus petit r. Par ailleurs, exactement comme tout à l'heure, si je m'intéresse maintenant, si je fais de la mécanique, je m'intéresse à la Terre elle-même, au mouvement de la Terre, on s'aperçoit, là je le fais un petit peu rapidement, mais vous pourrez le vérifier, qu'en étudiant donc le mouvement de la Terre dans le référentiel R, on trouve que grand R oméga 2, c'est égal à G masse du Soleil sur R au carré. Donc je vais remplacer, alors attention, ce que je vais faire ici, je vais réécrire cette ligne-là en faisant les mêmes opérations que tout à l'heure. Je les ai déjà faites, donc je ne vais pas les détailler, mais si petit r est petit devant grand R, comme tout à l'heure, je peux faire un développement limité de ce terme-là, c'est le même. Là, c'est peut-être un peu frais, vous ne voyez peut-être pas exactement lequel, mais quand vous reverrez votre cours, il suffit d'aller vraiment lire ce qui est au-dessus. Et donc ce terme-là, ça s'écrit gm du Soleil fois m du corps qu'on étudie, sur R2, facteur de 1, moins 2, petit r sur grand R, fois U, moins G, masse de la Terre, masse du corps, sur R carré, fois U. Et le terme qui est ici, là je mets R en facteur, donc je me retrouve avec R oméga 2, donc ça fait ça, facteur de grand R oméga 2, fois U. Et attention, je vais remplacer ici directement au tableau en effaçant R oméga 2 par la quantité qui est ici, c'est-à-dire GMS sur R2. Vous
Comme tout à l'heure, les masses se simplifient, les masses petit m, pour la même raison que tout à l'heure, hein, toc. Et celle-là. Et alors, si vous regardez maintenant les choses qui se simplifient, je ne sais pas si vous le voyez dans la forme qui est ici, il y a deux termes qui se simplifient. Le GMS sur R2 fois le 1 qui est ici, qui se simplifie avec le GMS sur R2 avec le 1 qui est ici. Donc ces deux termes-là, ce 1-là et ce 1-là, se simplifient. Et vous voyez, le truc rigolo, c'est que ce terme qui reste ici, 2 GMS sur R cube fois petit r, c'est le même que celui-là, en fait. Le terme qui reste ici, c'est le même que celui-là. Là, il y en a 2, là, il y en a 1, donc ça en fait 3 en tout. Et du coup, on se retrouve à la fin avec une expression qui est finalement simple, puisqu'on n'a que 0, je vais enlever les u aussi, on n'a que 0 est égal à 3 GMS sur R carré, R cube, petit r, moins GM T sur R, petit R2. Voilà, on a ça finalement. Je vous entends murmurer là, comme si c'était un truc de fou. Hein. C'est élémentaire là ce que je fais. Hein. C'est rapide, hein, je suis bien d'accord. Donc si vous ne suivez pas parce que ça va trop vite, prenez juste les notes et ça vous l'aurez dans la vidéo de toute façon. Mais c'est des choses, encore une fois, ça c'est élémentaire. Hein. Passer de là à là, ben, voilà, faut développer, simplifier. C'est le truc que vous savez faire depuis de nombreuses années normalement. Et alors, on se retrouve avec, j'ai voulu qu'un corps soit immobile dans le référentiel tournant, et j'arrive à cette condition-là. Donc ça me donne ça, une valeur de R pour laquelle ça c'est possible. Et si vous mettez tout ça ensemble, bah, vous voyez que les G se simplifient, les R cubes ici, bah, non, ne se simplifient pas spécialement, les MS non plus, et on se retrouve avec R est égal à grand R fois MT sur 3 MS, à la puissance 1 tiers. Là, c'est pareil, je vais un petit peu vite, vous le reprendrez, mais ça découle de ça de manière très, très rapide. Ça vous dit qu'il y a un point, ici à l'extérieur de l'orbite de la Terre, là, pour lequel, effectivement, ce point peut être en repos dans le référentiel tournant. Ça s'appelle un point de Lagrange. Et alors, juste pour vous dire pourquoi c'est remarquable. Imaginez qu'on veuille envoyer dans l'espace un observatoire astronomique, quelque chose qui observe depuis l'espace, donc en s'affranchissant des effets de l'atmosphère. La manière dont c'est fait la plupart du temps, c'est qu'on met un télescope en orbite autour de la Terre. C'est le cas notamment du télescope spatial Hubble que vous connaissez tous. Il y a un inconvénient à faire ça, c'est que comme l'objet est en orbite autour de la Terre, en fait il est assez près de la Terre, hein, si on regarde à l'échelle... Si on fait une figure à l'échelle avec la Terre et puis le télescope spatial Hubble, il n'est pas très très loin de la surface, en fait, de manière relative. Et donc, du coup, la Terre, elle bloque une partie importante du ciel pour l'observatoire. Donc, le télescope, il est limité, en fait, à la moitié du ciel à tout instant. Ça peut être un problème si on veut faire des observations prolongées d'une même partie du ciel. Et du coup, on a envie d'envoyer des objets plus loin. Donc on pourrait se dire, on va se mettre sur des orbites plus grandes, de taille plus grande, ça pose des problèmes aussi, je ne veux pas y venir maintenant. Mais je veux juste souligner le fait que ce qu'on vient de voir maintenant, là, le fait que dans le référentiel tournant, il y ait un point fixe, ça a une conséquence pour le placement des sondes astronomiques qu'on veut pouvoir utiliser. En effet, si ici j'ai le Soleil, là j'ai la Terre, et puis j'ai le point fixe dont je viens de parler ici, si ce point est fixe dans le référentiel tournant, ça veut dire qu'un peu plus tard, si maintenant je me mets dans le référentiel non tournant, donc celui qui voit tout le monde tourner du coup, la Terre est arrivée à cet endroit-là, le satellite lui-même est arrivé ici, et vous voyez que du coup la vitesse angulaire à laquelle ici la Terre décrit son orbite est finalement la même que la vitesse angulaire à laquelle le satellite ici décrit son orbite. Autour du Soleil, si je ramène tout ça autour du Soleil, la Terre décrit un cercle, un grand cercle comme ça autour du Soleil, le satellite que j'ai envoyé aussi, et donc le truc remarquable, c'est que les deux avancent de concert. Ça, c'est quelque chose qui peut apparaître très surprenant, parce que si vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur les lois de Kepler, on a vu que la période d'une orbite était reliée à la taille de l'orbite. C'était la troisième loi de Kepler qui reliait plus précisément le carré de la période au cube de du grand axe, enfin du demi-grand axe du coup de l'ellipse. Comme c'est des cercles ici, ce que dirait la troisième loi de Kepler, c'est que le carré de la période est proportionnel au cube
de la distance entre le corps et puis la masse qui l'attire. Donc comme ce corps-là est plus loin que celui-là du Soleil, ce corps-là, sous la seule influence du Soleil, a une période plus petite que celle-là, et donc ce qu'on s'attendrait à voir, c'est la Terre qui avance avec une certaine vitesse angulaire, et puis lui qui va moins vite, parce qu'il est plus loin du Soleil. Au point de Lagrange, c'est pas le cas, il va à la même vitesse ici. On verra tout à l'heure pourquoi, à la fin de ce cours-là, je mettrai un complément où j'explique ça en détail. La raison, c'est que, certes, s'il y avait que le Soleil, ce corps-là décrirait un cercle de manière plus lente que la Terre, donc il prendrait du retard au fur de sa progression le long de son orbite. Mais il y a la Terre, en fait, qui est là, qui, elle aussi, exerce une force sur le corps, donc l'accélère aussi. Et l'accélération supplémentaire qui est due à la présence de la Terre ici, et ben justement, ça permet à ce corps-là de décrire une trajectoire circulaire avec une vitesse plus grande qu'en l'absence de la Terre. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que effectivement, il existe ici un point qui est fixe, dans lequel les masses peuvent être au repos dans le référentiel tournant, et que ça, c'est un endroit intéressant auquel mettre des observatoires astronomiques. Je vais y revenir ça dans quelques secondes. Alors c'est assez marrant parce que numériquement, ça se calcule vraiment très bien puisque la masse de la Terre, c'est à peu près 6 fois 10 puissance 24, 1 kg. La masse du Soleil, c'est à peu près 2 fois 10 puissance 30. Donc on se retrouve avec 6 sur 6, ça simplifie. 10 puissance 24 sur 10 puissance 30, ça fait 10 puissance moins 6. Et prendre la racine 1 tiers de 10 puissance moins 6, c'est facile, ça fait 10 moins 2. Donc toute la parenthèse qui est ici, dans le cas du système Terre-Soleil, ça vaut 0,01. Donc la distance qui est ici, du coup, voilà ce qu'elle vaut. Elle vaut un centième d'une unité astronomique, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres. Ce point, sur le dessin de tout à l'heure, il est là. Il est à peu près à 4 fois la distance de la Lune. Si on met un satellite ici, ce satellite va suivre la Terre le long de son mouvement. Ça s'appelle ça un point de Lagrange, ça s'appelle le point L2. L2, parce que comme je vais vous le dire maintenant, il y en a d'autres. Ça, c'est super intéressant. Il y a au moins 3 satellites qui sont là en ce moment. Il y en a un qui vient d'en partir. Mais on a mis le satellite Planck, on a mis le satellite Gaïa, on a mis le satellite Herschel. Tout ça, c'est des satellites d'observation astronomique qui permettent de regarder l'ensemble du ciel sans être trop gêné par la Terre. Voilà, si on met un truc en orbite autour de la Terre, eh ben, on est gêné par l'ombre de la Terre, par la magnétosphère de la Terre aussi. Il y a tout un tas de choses qui nous embêtent. Donc voilà, on est un petit peu loin de la Terre, mais en même temps, on la suit. Et on n'est jamais à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc pour communiquer, c'est facile. Hein ? Si on avait un corps ici qui s'éloignait pour faire tout le tour, à un moment, la sonde, elle serait là, nous, on serait là-bas. Ça fait 300 millions de kilomètres. Hein. Là, on ne peut plus communiquer avec de manière efficace. Bon. Quand on fait le calcul ici, en prenant un point maintenant qui est un tout petit peu avant. Là, j'ai considéré un point là, on peut en prendre un avant aussi. Comme tout à l'heure, ça change des signes un petit peu partout, mais on trouve aussi un autre point de Lagrange, qui est le point L1, qui est ici, qui a les mêmes propriétés. Ça, c'est super intéressant en astronomie aussi, parce que ça permet, on met des observatoires solaires à cet endroit-là. Quelque chose qu'observe le Soleil, on le met ici, il n'est jamais gêné par la Terre, et voilà, il peut observer dans cette direction-là tout le temps. Et il y a un satellite qui est là, effectivement, c'est SOHO, un observatoire qui permet d'observer le Soleil, et en particulier aussi de prévenir des orages magnétiques. Orage magnétique, c'est quand... Vous deux, là, ça ne vous intéresse pas, vous sortez, vous revenez voir dans 5 minutes. Vous deux. Il y en a un autre point de Lagrange, qui est super pas intéressant, mais je vous le donne quand même. En fait, si on fait le calcul et qu'on met un point là-bas, il y a aussi un endroit où effectivement tout ça, ça se compense, et un endroit, quelque chose qui peut suivre la même trajectoire que la Terre, donc de manière synchrone, mais bon, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Ça pourrait en avoir un pour observer la face cachée du Soleil, hein, celle qui est toujours à l'opposé de nous, donc pourquoi pas si on veut observer le Soleil dans l'ensemble de manière continue, mais voilà. Et alors, dernière chose, et après j'en aurai vraiment fini. Là, il y a quelque chose que j'ai négligé dans le calcul. Je ne vais pas faire le calcul plus complet, mais je vous dis simplement quoi. J'ai négligé le fait que le Soleil, il n'est pas fixe, effectivement, dans le système solaire. Tout ça, ça tourne autour du centre de gravité du système solaire. S'il n'y avait que la Terre et le Soleil, le centre de gravité serait quelque part à l'intérieur du Soleil ici. On aurait le Soleil qui fait un petit mouvement autour de centre de gravité et la Terre qui fait un grand mouvement autour de centre de gravité. Quand on prend ça en compte, on trouve qu'il y a deux autres points de Lagrange. Je vais juste les placer sur le dessin. Ceux-là, ils ne sont pas du tout intuitifs à obtenir. Il faut vraiment faire le calcul complet pour les avoir. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais ils sont là. Ça fait un triangle équilatéral entre ça, ça et ici. Il est là. Ça s'appelle L4. Et il y en a un au-dessus symétrique qui s'appelle L5.
Alors ça semble super bizarre, mais voilà, si vous mettez un truc là, eh bien effectivement, il suit le, enfin, dans le référentiel R', il reste là, en fait. Et de fait, il y a même une propriété encore plus intéressante. Je n'ai pas parlé de stabilité ici. J'ai dit simplement, si on met un objet là et qu'on le lance comme il faut, bah, il va y rester, très bien. La question de la stabilité, ça veut dire, si maintenant le point qui est ici, je le déplace un petit peu, je l'éloigne de son point de Lagrange, qu'est-ce qui va se passer? On peut faire le calcul. On s'aperçoit que dans ce cas-là, il s'en éloigne de façon assez rapide, en fait. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Là aussi, là-bas aussi, celui-là, en revanche, est stable. Vous mettez un truc là, puis vous lui donnez une petite pichenette, et ben le machin, il va tourner ici. Il va orbiter autour du centre du point L4. Il n'y a pas de masse ici. Hein. Il orbite à cause de l'action combinée de l'attraction du Soleil, de l'attraction de la Terre et de la force centrifuge. Ça, en astronomie, ça a une conséquence, ça s'appelle les satellites troyens. Pour beaucoup de planètes, vous avez, si vous mettez la planète ici, vous mettez le Soleil là, vous avez ici tout un tas de lunes en fait, qui sont là. C'est vrai pour Jupiter, c'est vrai pour la Terre aussi, c'est vrai aussi pour le système Terre-Lune. Donc si vous avez la Terre qui est ici, la Lune qui est ici, vous avez à cet endroit-là, géométriquement, des objets qui sont en train de faire des petites orbites. Là. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on observe et qui a été compris plus tardivement que les points L1, L2 et L3. Alors je voudrais terminer par un petit exercice qu'on va faire ensemble, enfin je vais le faire au tableau. Alors je vous mets en garde sur ce que je vais faire maintenant, ça peut être un petit peu perturbant, parce que je vais mélanger plusieurs notions, enfin plus précisément ce que je vais faire, c'est que je vais aborder un même problème, celui du point de Lagrange L2 que j'ai décrit juste avant, je vais l'aborder ce problème depuis trois points de vue différents. Donc ça va vous donner ça, ça va vous faire revenir sur ce qu'on a fait le cours d'avant, sur ce qu'on a fait sur ce cours-là, et surtout ce que je voudrais que vous voyez, c'est que ces forces d'inertie dont je vous parle depuis tout à l'heure, elles dépendent vraiment du référentiel dans lequel on se place. Donc si vous n'êtes pas super à l'aise encore avec ce que c'est que la force d'inertie d'entraînement et la force centrifuge, revoyez d'abord votre cours avant de vous plonger dans le petit exposé que je vais vous faire maintenant. D'accord ? A contrario, le regarder, ça peut être aussi un bon moyen de voir que vous avez effectivement compris tout ce qui précède. C'est parti. On a vu dans le cours qu'on vient de voir, là, que dans le référentiel tournant, quand je suis dans la situation où j'ai ici le Soleil, la Terre, et puis un corps comme ça, ce que j'ai appelé référentiel tournant, c'est un référentiel dont les axes étaient en train de tourner comme ça, et je vais représenter la Terre et puis le satellite tout à l'heure, le satellite de tout à l'heure à un instant antérieur. Ben voilà, la Terre était là, le satellite était là, un instant ultérieur, vu depuis un référentiel galiléen, on voit effectivement la Terre en train de tourner, on voit le satellite en train de tourner. Le point de Lagrange L2, c'est la situation dans laquelle le point qui est ici est fixe dans le référentiel tournant. Ce référentiel tournant, je vais l'appeler R seconde. Seconde parce que vous allez voir qu'il y en a un autre référentiel non galiléen R' que je vais considérer. Donc je ne vais pas tout mélanger. Donc ça, c'est le référentiel R seconde. Et dans ce référentiel R seconde, la Terre et le satellite ici tournent à la même vitesse angulaire, oméga. Oméga t est égal à oméga du satellite. Je vais dans un premier temps analyser cette situation physique du point de vue suivant, du point de vue d'un référentiel que je vais appeler R, dans lequel le Soleil est à l'origine, voilà, on prend comme origine le centre du Soleil, et on prend des axes qui sont fixes par rapport à des étoiles lointaines, c'est-à-dire c'est le référentiel dans lequel on voit la Terre en train de décrire un cercle ou une ellipse, mais on va dire que c'est un cercle ici, autour du Soleil, et puis le satellite, lui aussi, décrit un cercle autour du Soleil. J'ai exagéré ici cette distance-là relativement à celle-là pour que ça se voit sur le dessin, mais voilà. Donc on a ici ces deux objets qui décrivent deux cercles. Quelqu'un qui veut étudier ça et qui veut comprendre cette situation du point de vue de la physique dans le référentiel R. Il est dans un référentiel galiléen. Ce qu'il va écrire, c'est la chose suivante. Il va écrire que M, la masse de ce qu'on étudie ici, hein, le système étudié, ça va être le satellite ici, M fois son accélération est égal à la somme des forces qui agissent sur lui. Point barre. On dit point barre, c'est-à-dire il n'y a pas de force d'inertie de quoi que ce soit, on est dans un référentiel galiléen ici. Donc la somme des forces, c'est F du Soleil, la force gravitationnelle d'attraction du Soleil, et F de la Terre, que j'ai noté Fs et Ft. Et c'est de ça dont on a besoin pour comprendre comment est-ce que le système effectivement évolue. Je vais aller un pas plus loin. Si effectivement le corps qui est ici décrit une trajectoire qui est
circulaire. Ça veut dire que son accélération est donnée par la distance qui est ici, c'est-à-dire grand R plus petit r fois oméga 2, où oméga, c'est la vitesse angulaire à laquelle il est en train de tourner autour du Soleil. Et ça, c'est égal à la force gravitationnelle due au Soleil, c'est moins grand G, masse du Soleil, masse du corps sur la distance qui est ici au carré, grand R plus petit r au carré, fois un vecteur U, le fameux vecteur U que j'ai déjà introduit plusieurs fois, un vecteur unitaire qui pointe à l'opposé du Soleil si on le dessine à partir de là, plus la force d'attraction due à la Terre, c'est-à-dire moins gm de la Terre fois la masse du corps qu'on considère, fois petit r au carré, où r c'est cette distance-là, cette fois U. Voilà ce que nous dit la relation fondamentale de la dynamique dans ce référentiel galiléen. Vous voyez que, alors ça on l'a déjà vu plein de fois, mais les masses déjà se simplifient, les masses petit m, la masse du corps n'intervient pas là-dedans, c'est l'universalité de la chute libre. Vous avez les U qui s'en vont aussi. Et est-ce que cette équation est effectivement vérifiée? Ben, à quelles conditions elle est vérifiée? Comme précédemment, je vais faire l'hypothèse que petit r ici est très petit devant grand R. Donc ça permet de faire un développement limité dans le terme qui est ici. Je ne vais pas le refaire, je donne juste le résultat, parce que ça, on l'a vraiment fait tout à l'heure. Ça s'écrit donc moins g masse du Soleil sur R2 plus 2 grand G masse du Soleil sur R cube fois R. Ce terme-là vous donne un moins G masse de la Terre sur R carré. Et ça doit être égal à grand R plus petit r fois oméga 2. Voilà. Et enfin, si on veut, moi ce que j'aimerais bien avoir, c'est une relation entre petit r et grand R. Donc ça, on pourrait le résoudre. Si on dit que là-dedans est petit r, on ne le connaît pas, bah, cette équation nous le donne. Voilà, cette équation nous donne petit r en fonction des autres grandeurs. Et pour ce faire, il est plus facile ici d'exprimer oméga 2 aussi en fonction de données du problème, puisque dans la situation qui est ici, je vous rappelle que précisément le point de Lagrange L2, c'est celui pour lequel le corps qui est ici tourne à la même vitesse angulaire que la Terre ici. Or, la vitesse angulaire de la Terre, elle est donnée en appliquant la relation fondamentale de la dynamique à la Terre, cette fois-ci, toujours dans ce même référentiel. Si je prends la Terre comme système ici, elle est soumise essentiellement à la force due au Soleil, la force d'attraction due à la masse qui est ici joue très peu sur son mouvement. Donc elle, soumise simplement à l'action du Soleil, son accélération est donnée par grand R fois oméga 2, voilà, ça c'est l'expression générale de l'accélération sur une trajectoire circulaire, et ça doit être égal à la norme de la force d'attraction, c'est-à-dire gms sur R au carré. Donc là, je suis allé un petit peu vite, mais ça, vous pourrez vraiment le reprendre. Je l'ai même déjà fait tout à l'heure dans le cours. Donc du coup, le oméga 2 qui est ici, ça s'écrit comme gms sur r cube. Et ça, je peux le remplacer là-dedans. Là. Ben, je vais le faire directement au tableau. Voilà. Puisque si maintenant je développe le terme qui est ici, ça fait ça donne ça et du coup on voit qu'il y a des choses qui se simplifient. Ce terme là le grand R se simplifie et du coup ça fait un terme qui est égal à celui là donc celui là se simplifie avec celui là. Vous voyez que ce terme-là ressemble étrangement à celui-là, c'est le même au facteur 2 près. Donc si lui, je le mets de l'autre côté, ça fait un 3 ici à la place du 2. Et lui, je le mets de l'autre côté, ça change son signe. Et si je fais les deux opérations que je viens de dire ici, ça me dit que grand G mt sur r carré est égal à 3 r g ms sur grand r cube. Les grands G se simplifient et vous voyez que dans ce qui reste, ça vous dit finalement que R cube est égal à MT sur 3MS fois R cube. Et ça, c'est précisément la relation qu'on a écrite tout à l'heure. Elle était écrite ici, là.
pour le petit r. Donc au point de Lagrange, effectivement, petit r est donné par cette expression-là. Donc voilà, en faisant l'hypothèse que ce corps-là décrit une trajectoire circulaire et celui-là aussi, on arrive à une relation entre petit r et grand R. Donc on n'a pas ici introduit de force d'inertie, on s'est placé dans un référentiel galiléen et ça s'est plutôt bien passé. Bon. Je voudrais juste préciser, en profiter que j'ai ça sous les yeux pour préciser un petit peu l'origine de ces points de Lagrange-là. S'il n'y avait pas la Terre qui est ici, si on s'intéressait simplement à l'orbite d'un corps ici qui tourne autour du Soleil, la période qu'on trouverait pour le corps qui est ici serait plus faible que la période de la Terre, puisque le corps est plus loin. Vous vous rappelez la troisième loi de Kepler, qui vous lie la période à la taille de l'orbite. Et bien les corps qui sont plus loin ont des vitesses qui sont plus faibles et des vitesses angulaires aussi qui sont plus faibles. Donc sans la Terre qui est ici, lui, il aurait une vitesse angulaire qui serait plus lente que celle de la Terre sur son orbite ici. Donc si, effectivement, on négligeait l'influence de la Terre sur lui, ben, on aurait ici la Terre qui avance à une certaine vitesse, et lui qui finalement prend du retard à chaque fois, et du point de vue de la Terre, il verrait finalement le satellite ici s'éloigner. La raison pour laquelle les deux ils restent ensemble dans leur mouvement, ils tournent à la même vitesse angulaire, c'est que la Terre, elle tire aussi sur l'objet. Vous avez le Soleil qui est en train de tirer sur l'objet, qui le maintient sur un cercle, qui aide à le maintenir sur un cercle, la Terre qui tire aussi, et du coup la vitesse du corps sur son orbite circulaire ici, elle est plus grande que celle en l'absence de la Terre. Et à la distance R qui est donnée par cette expression-là, et ben précisément cet effet de l'influence de la Terre permet au corps qui est ici d'avoir une trajectoire circulaire qui suit la Terre avec une rotation qui est synchrone avec celle de la Terre. Voilà. Ça, c'était l'étude du problème dans le premier référentiel, le référentiel galiléen qui est lié au Soleil. Je vais maintenant faire la même étude, je vais la faire ici, dans le référentiel en rotation. Alors je l'ai déjà fait en fait, c'est ce que j'ai fait dans le cours jusqu'à maintenant, mais je tiens vraiment à le refaire encore un coup, juste pour que vous voyez la similarité avec ce qui est là-bas. Donc si c'est très clair dans votre esprit et tout, ça va aller très vite pour vous. D'ailleurs je vais le faire de manière moi aussi assez rapide. Dans le référentiel tournant maintenant. Alors je vais effacer ça qui du coup est un petit peu perturbant. Dans le référentiel tournant, c'est celui-là, la Terre ne se déplace pas, et puis au point de Lagrange, l'objet que je considère non plus ne se déplace pas. Quand je fais le bilan des forces dans ce référentiel R seconde-là, quand j'applique plutôt la relation fondamentale de la dynamique, j'écris que M de l'accélération, je vais l'appeler A seconde ici pour la différencier de l'autre, est égal à quoi? Bah, la somme des forces, c'est-à-dire la force due au Soleil plus la force due à la Terre. Et il faut que j'ajoute la force centrifuge liée au fait que le référentiel est en train de tourner. On a vu tout à l'heure que cette force centrifuge s'écrivait m fois la distance qui est ici, c'est-à-dire grand R plus petit r, oméga 2 fois u. Voilà la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel tournant. Elle est différente de la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel galiléen. Hein, il y a un terme en plus ici, là, celui-là. Du coup, si je veux analyser la situation dans le référentiel R seconde, je vois que le corps qui est ici dans ce référentiel-là est immobile. Hein, au point L2, c'était comme ça qu'on l'a défini. Donc ça fait 0. Et on se retrouve avec 0 est égal à tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit, 0 égal à tout ça? Il faudrait écrire l'expression de Fs, l'expression de Ft, mais en fait, ça, on l'a déjà fait là-bas. Et si vous regardez bien, ce qui se passe, c'est que les équations qu'on va écrire, elles sont exactement les mêmes que là-bas, finalement, puisque le terme qui est ici, c'est le même que le terme qui était là, tout à l'heure. Donc en fait, analyser le problème du point de vue du référentiel tournant, ça revient finalement à prendre ce terme-là et à le mettre là-bas. C'est exactement d'ailleurs comme ça qu'on a défini les forces d'inertie d'entraînement, hein. Enfin les forces d'inertie en général. C'est ce qui apparaissait comme des accélérations dans le référentiel tournant, et bien on le définissait plutôt comme des forces. Voilà. Et donc vous pouvez reprendre le calcul et vous allez vous apercevoir que exactement de la même manière que dans ce cas-là on tombait sur R cube est égal à ça, et bien là vous développez le calcul, en fait c'est vraiment rigoureusement le même, hein. Ça va être les mêmes étapes avec simplement les termes qui étaient ici qui vont se retrouver là-bas de l'autre côté, mais vous allez retomber aussi sur cette expression-là, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a fait tout à l'heure. Dans ce référentiel-là, hein, il existe donc une force centrifuge. Alors je vous mets ici en garde contre une erreur très courante, la force centrifuge, elle est vraiment présente que dans l'étude, dans le référentiel tournant.
Ici, il n'y a pas de force centrifuge. Les trucs sont en train de tourner, les corps sont en train de tourner, et on les analyse sans introduire de force centrifuge. Hein ? Ne faites pas l'erreur de dire bah, c'est en train de tourner, donc il y a une force qui pousse le machin vers l'extérieur. Non, il n'y en a pas. Dans ce référentiel-là, il n'y en a pas. La raison en particulier, la raison pour laquelle la Terre, ici par exemple, au cours de son mouvement, ne s'écrase pas sur le Soleil parce que, du fait de l'attraction du Soleil, je redis autrement. On pourrait penser ici que la Terre reste à distance constante du Soleil parce que d'une part elle est attirée par le Soleil et puis d'une part il y a cette force centrifuge. Non, c'est pas ça qui se passe dans ce référentiel-là. Dans ce référentiel-là, il y a effectivement une force d'attraction du Soleil qui crée une accélération dans ce sens-là, et cette accélération, effectivement, elle correspond à une trajectoire circulaire. Il n'y a pas de force qui compense l'attraction du Soleil. L'attraction du Soleil est là, elle est en train de tirer sur l'objet, et heureusement, c'est ça qui la maintient, qui maintient la Terre ici à distance constante du Soleil. Pour terminer, je vais maintenant analyser encore une fois cette même situation, mais cette fois-ci du point de vue d'un troisième référentiel. Je vais maintenant me placer dans un référentiel qui est lié, dont l'origine est au niveau du Soleil, au centre du Soleil, et qui est en translation circulaire uniforme. On a le Soleil qui est ici, on a la Terre qui est en train de tourner autour du Soleil, et je vais me placer dans le fameux référentiel R', celui qu'on a vu au cours d'avant en fait. Donc on a ici le O', la position de la Terre, et O' est en train de tourner autour du Soleil avec une certaine vitesse angulaire. Et je vais me placer dans ce référentiel-là. Ces axes-là, cette fois-ci, sont les mêmes qu'ici. Hein. Cet axe-là n'est pas en train de... Ces axes-là ne sont pas en train de tourner en même temps que la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est le cours de la fois d'avant, en fait. On peut aussi étudier le mouvement, enfin la situation du point de Lagrange L2 qui est ici dans ce référentiel-là. Donc vous voyez que ici, du point de vue de la Terre, hein, donc si ça maintenant c'est le point de vue duquel on regarde les choses, ce qu'on voit c'est L2 qui est en train de tourner autour de la Terre. Quand la Terre était ici, L2 était là. Quand la Terre est ici, L2 se retrouve là. Quand la Terre est là, L2 est au-dessus. Hein, donc vous voyez qu'effectivement L2 tourne autour de la Terre avec une vitesse oméga qui est la même que celle de la Terre autour du Soleil. Voilà. Donc depuis la Terre, on voit L2 en train de tourner. Quelqu'un qui applique la relation fondamentale de la dynamique à un objet placé en L2, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit que la masse fois l'accélération, que je vais noter A', l'accélération de la masse qui est ici, l'accélération du point qu'on considère en L2, vue dans le référentiel R', est égale à la somme des forces, F du Soleil plus la force de la Terre, plus autre chose, plus quoi ? Une force d'inertie d'entraînement. Cette fois-ci, c'est un référentiel en translation, donc c'est une force d'inertie d'entraînement. Et on a vu tout à l'heure que c'était moins m a de O' par rapport à O. En fait, on l'a vu la dernière fois, plus précisément. Ça, c'est la force d'inertie d'entraînement, de manière générale. Et comme ici, on a un référentiel qui est en translation circulaire, on va pouvoir écrire ce que c'est que cette accélération-là. On connaît l'accélération de O' par rapport à O. Ce qu'on va voir, c'est qu'en analysant cette équation-là, nous donne encore une fois cette relation-là entre petit r et grand r. Ben, faisons-le. A', donc c'est l'accélération de la masse qu'on est en train d'étudier ici dans le référentiel R'. Cette masse est en train de décrire un cercle à cette vitesse oméga-là. Le rayon du cercle que décrit le point L2 ici, c'est petit r. Donc du coup, l'accélération s'écrit ici. M fois petit r fois oméga 2 fois u, où j'introduis encore une fois ce fameux vecteur u qui est comme ça. Et c'est l'opposé de ça, l'accélération A' sur la trajectoire circulaire, elle est centripète, hein, donc elle est donnée par ça, est égale à la force gravitationnelle due au Soleil, c'est-à-dire moins g fois masse du Soleil, petit m, sur la distance qui sépare le corps qu'on considère du Soleil, c'est-à-dire grand R plus petit r au carré, moins gmtm sur petit r au carré fois u. Ça, c'est l'attraction gravitationnelle due à la Terre, et moins m fois l'accélération de O' par rapport à O. O' est en train de décrire un cercle à la vitesse angulaire oméga et à une distance grand R. Donc l'accélération est encore centripète, donc ça fait un plus ici, grand R oméga 2 fois U. Donc attention, hein. L'accélération, ces deux accélérations ici et là ne sont pas les mêmes. Hein. Ça décrit les deux... Dans les deux cas, il s'agit d'accélérations associées à des trajectoires circulaires, des translations circulaires uniformes. Elles se font à la même vitesse angulaire oméga. Ce point-là tourne à la vitesse oméga
à la vitesse angulaire oméga autour du Soleil. Lui, il tourne à la vitesse angulaire oméga autour de la Terre. Mais c'est des trajectoires qui n'ont pas le même rayon. Ici, c'est le rayon petit r pour lui, et autour de O'. Alors qu'ici, c'est le rayon du cercle que décrit O' autour de O, donc c'est ce rayon-là. Donc voilà ce qu'on obtient. De la même manière que tout à l'heure, le oméga 2, ici, il y a encore l'expression qui est là-bas, pour exactement les mêmes raisons, ça c'est égal à gms sur r cube. Je vais le remplacer directement ici. Gms sur r cube fois u. Alors le oméga 2, je vais aussi le remplacer dans cette expression-là, dans le terme de gauche, gms sur grand r cube. Et alors on voit qu'on peut simplifier plusieurs choses, les u. Ils apparaissent partout. Les masses aussi, ça j'ai déjà mentionné plein de fois pourquoi. Et dans ce qui reste, c'est parti, je vais faire le développement limité que j'ai fait tout à l'heure pour lui. Donc là aussi je vais rapide, parce que enfin, je le réécris parce que je l'ai déjà fait en fait. Ça fait R2 plus 2GMS sur R cube fois petit r. Je recopie les autres termes, moins gmt sur r carré, plus gms sur r carré, et lui, ça fait moins rgms sur r cube. Et on voit ici qu'on a deux termes qui se compensent, celui-là se compense avec lui. Si on met ce terme-là, donc si on passe ce terme-là à gauche et que ce terme-là, on le passe à droite, lui et lui, eh ben c'est le même. Ici, vous avez un plus 2, là un moins 1. Donc on passe ici, ça fait 3 fois gms petit r sur r cube. Et on retombe en fait exactement sur l'égalité qui est ici et donc sur ça. Donc voilà, cette analyse nous redonne encore une fois la même distance petite r, la même expression pour la distance petite r par rapport, une fois qu'on l'exprime en fonction de grand r et les masses de la Terre et celles du Soleil. Et c'est normal, c'est vraiment la même situation physique, mais vue depuis trois points de vue différents. Donc ici, cette fois-ci, là, dans ce référentiel-là, la relation fondamentale de la dynamique prenait cette forme-là, qui était encore différente de celle-là et puis de celle dans le référentiel R seconde. Et ce qu'il faut considérer ici, c'est la force d'inertie d'entraînement. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait dans les deux cours qui ont précédé, là, enfin celui d'aujourd'hui et puis celui d'avant, j'ai considéré des référentiels qui étaient ou bien en translation pure ou bien en rotation pure. Bien évidemment, il n'y a aucune loi qui nous oblige à se mettre dans ces situations-là. On peut prendre des référentiels qui sont à la fois en train de tourner et puis d'avoir un mouvement de translation. Donc ça, on va le prendre en considération aussi. Et il y a aussi une limitation que j'avais mise quand j'avais étudié les référentiels tournants. J'avais imposé que le corps avait une vitesse nulle dans le référentiel tournant. Ce qu'entre parenthèses, je n'avais pas fait dans le référentiel en translation. Dans le référentiel R' ici, je n'avais pas du tout imposé que le corps devait être immobile. D'ailleurs, il ne l'est pas ici. Dans ce référentiel-là, le point L2, il est effectivement en train de tourner autour de la Terre. Bon, mais en tout cas, dans le référentiel en rotation, j'avais imposé que les corps devaient être fixes. Et on va lever tout ça. Voilà, le cours d'après, ça va constituer à étudier le problème dans toute sa généralité. Je m'arrête ici.